Oui, bien bonjour, Eric, éducateur. Alors donc, comment ça se passe pour la Ben, Félix, il fallait que ça se passe très bien. Bon, ça fait quand même très longtemps que le public attendait ce moment-là. Après 2 années, il faut dire que tout le monde a répondu présent. Et puis aussi, c'est un très beau spectacle, hein, s'il faut parler de la course elle-même. On a rarement vu une course ne pas encore être jouée ou tuée à un certain moment. Là, aujourd'hui, tout est possible encore. Et c'est ça le charme de l'étape, quoi, à la fin de la compétition. De la course. Oui, effectivement, c'est vrai, parce que jusqu'à ce jour, on ne peut pas définir, dire tel coureur sera en tête ou pas. Non, il y a toujours des confusions. Et bien, chacun fait une étape différente et voilà, c'est pas évident. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut dire aussi qu'on peut dire que le niveau est quand même bon, parce que oui. Tout le monde, chaque personne est à peu près à égal niveau. Ils peuvent entrer en compétition, ils peuvent quand même se finaliser. Et là, pour nous, c'est quelque chose de formidable parce que l'adrénaline, ça monte et tout le reste. Ouais. Mais aussi, il faut dire aussi que tu as été un ancien de Radioactif et Radio Liberté et bien d'autres. Voilà. Donc, tu es toujours présent avec nous. Oui, pour être précis, bon, c'est vrai, j'ai été à Radioactif, je suis encore Radioactif avec eux. J'ai été président de sport Radioactif. Et j'ai été aussi président de la Radio Liberté à un moment, donc j'ai ça dans le sang, quoi, la radio. Voilà. C'est quelque chose d'inné chez moi. Voilà. Eh bien, on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on te souhaite bon après-midi. Et puis, au plaisir de se rencontrer. Bientôt. Merci.